Alors là, là tous, je vais voir vos yeux. Et toi, Lanvin, qui fait le malin depuis le début, parce que ce qu'on va voir maintenant... Non, ça fait 50 ans qu'il fait le malin. Attends, depuis le début. 50 tu ans vas nous fait. Expliquer après comment ça marche. Parce que toi, tu l'as vu le numéro. Oui. C'est impossible ce qu'on va voir. Mais depuis le début, je dois dire que moi, je suis comme un môme. Hein, donc merci déjà de nous avoir invités. Parce que moi, je suis comme un gamin de 10 ans. Je m'éclate. Et là, ce que j'ai vu, c'est Maxime Delforge et Bertox, deux mecs, magiciens. Et j'ai rien compris. J'en ai vu des numéros de magie ici. Bon, je vais vous avouer, maintenant... Tu comprends souvent rien, hein, quand même. Hein. Oui, moi, je sais comment ça marche. Je peux juste vous dire, je sais comment ça marche. Et il va falloir me torturer, agréablement, oui. Pour que je vous le dise. Regardez bien ce que vous allez voir maintenant. Il s'appelle donc Maxime Delforge et Bertox. Regardez. Moi, j'ai pas besoin de lire pour dire. Voilà. Non, voilà.
Georges, Bertotz et Léopoldine. Alors ça, je suis fier, là, parce que c'est des petits Français, hein. C'est sublime. Alors là, je suis fier parce que j'ai vu les têtes de tout le monde, les yeux de tout le monde. C'est pas possible. Pas possible. Ça échappe à toute logique. Eh mon Francis. Ah bah, Chug, tu sais, moi, le terme ébloui, ben, oui. Ben voilà. C'est eh ben voilà. Ce que eh ben, tu veux que je te dise, on va vous éblouir comme ça tout le long de la soirée. Restez avec nous et applaudissez au passage Monique Nakachian, qui est la dame qui nous trouve tous ces numéros. Claire, mon petit, t'es bluffé, hein? Ah ben là, je suis vraiment sous le choc, ouais. T'es sous le choc. Je trouve ça magnifique, puis je trouve ça très poétique. Je trouve qu'ils jouent hyper bien, les gars. C'est-à-dire que vraiment, ils se regardent, ils font vraiment vivre leur numéro, en plus. C'est des artistes, c'est des vrais artistes. Ils viennent de partout. Ils ont une âme, voilà. Ouais, c'est le mot qu'on cherchait. Ils ont une âme, comme toi.